monde, c'est Lélé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. What the fuck? What the fuck? Bon bref. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Donc déjà, merci pour les 100 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, pour cette occasion, j'ai... Comment vous dire ça? J'ai créé un site web, bon c'est un site ridicule, mais j'ai créé un site web, si jamais vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, vous pouvez mettre des commentaires et tout, normalement. Donc voilà, et ça va pas être une vidéo spéciale sans abonnés, parce que voilà, mais en gros j'ai décidé de faire le tag sans question que personne ne pose. Donc je vais commencer vite, parce que nous avons 100 questions à répondre. Et donc en fait c'est des questions complètement inutiles, genre ça va rien changer à votre vie de les savoir sur moi en tout cas. Mais bon, je trouvais ça assez drôle et puis voilà. Donc on va commencer, donc 1. Donc dors-tu avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Donc moi elle est tout le temps fermée, tout le temps. Après, emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Bah en fait je suis jamais allée à l'hôtel. À part avec mes parents, il me semble, et donc non. Dors-tu dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Alors moi, il est tout le temps fait, tout le temps. Genre, je me lève, direct il est fait. Bah comme vous voyez, bon, il est à moitié, enfin, il est pas non plus hyper hyper bien, mais il est pas... Enfin, il est fait, quoi, en gros. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Hein? As-tu déjà... à voler un panneau dans la rue? Non. Utilises-tu des post-it? En fait, j'en ai plein. Mais alors, je les utilise jamais parce que ça ne tient jamais, en fait. Genre, on va les mettre sur le mur, sur l'ordi, il va se casser la gueule. Alors, ça me casse les couilles, donc je n'en utilise pas, en gros. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Bah j'ai jamais utilisé de bon de réduction, donc non. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Alors, en vrai, moi j'aurais dit que j'aurais préféré être attaqué par un gros ours. Parce qu'une armée d'abeilles, ça doit bien piquer. Je me suis déjà fait piquer par une abeille, une sorte d'abeille, je sais pas quoi, sur le doigt. Genre ça m'a niqué, mais littéralement. Donc j'imagine même pas, genre elles vont te piquer de partout, réellement. Alors je préfère un ours, même si ça fait aussi mal, mais bon. As-tu des taches de rousseur? Non, je crois pas. Je me suis déjà regardée, mais non, je crois pas. Souris-tu sur toutes les photos? Bah je pense qu'en ce moment, oui, mais de temps en temps, non, je crois pas. Enfin, pas sur toutes, en fait, je pense pas. Quel a été ton plus gros caprice? Moi faire des caprices? Non mais en vrai je sais pas, mais ça doit être une connerie du style oh je veux ça, je veux... Enfin genre il y a quelque chose, un vêtement ou quelque chose comme ça qui me plaît, que je ne peux pas acheter, que je fais chier mes parents pour l'acheter, je ne sais pas. Un truc de ce genre. Comptes-tu les marches que tu montes? Non. Peut-être que je le faisais quand j'étais petite, mais non. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Non, jamais. Jamais. Et je suis honnête, hein. Et la grosse commission, non plus. Ça a toujours été dans les toilettes, moi, personnellement. Donc bon. Après, danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Ouais, de temps en temps, je suis en mode... je m'enjaille toute seule. Je sais pas. Ouais, je pense. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive quand... en fait, c'est soit quand je suis stressée ou soit quand je me fais chier. Donc... Après, avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Cette semaine? Une personne. Il me semble. Oui, bah oui, une personne. Quelle taille fait ton lit? Alors là, j'en ai aucune idée. Mais alors, aucune idée. Je ne sais pas. Quelle est ta chanson de la semaine? Ma chanson?
Je sais pas, en ce moment, j'arrête pas d'écouter Hotel California des Eagles. Voilà. Est-ce ok de porter du rose? Bah oui, c'est vous pouvez porter du rose. Après, ça dépend. Il y en a, ça leur va, il y en a, ça leur va pas. Personnellement, moi, le rose, ça ne me va pas. Donc voilà. Regardes-tu encore les dessins animés? En vrai, non. Parce que je regarde pas trop la télé, et quand je regarde la télé, c'est pas du truc de dessin animé. Donc, voilà. Moi, quand je parle de dessin animé, je parle de France 3 et tout, alors non. Bon. Après, quel est ton dernier film vu et est-ce que tu l'as aimé ou quoi? Alors, mon dernier film, c'est Superman v Batman. Et en fait... c'est bien dans le sens où il y a de l'action tout ça, mais par contre l'histoire elle est complètement bidon, enfin je sais pas, mais j'ai trouvé pas ça aussi bien que ça quoi. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Bah je sais pas, je le cacherais sur moi peut-être, mais non je sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas d'endroit où le cacher. Non, j'en ai pas. Enfin, peut-être sur moi, quoi. Genre, je sais pas. Dans un endroit où personne n'irait. Je sais pas. Après, merde, j'ai perdu le fil. Que bois-tu en mangeant? Bah, maintenant, j'ai changé. Maintenant, je bois de l'eau en mangeant. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Pas de sauce. Voilà. Quel est ton plat préféré? Tartiflette. RPZ, donc genre dédicace à Alexandre parce que lui aussi il adore la tartiflette. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Quel film mais en fait il y a trop de films que je peux regarder, genre il y a Les Mignons déjà. Les Mignons c'est trop bien. Et il y a Retour vers le futur et les Indiana Jones aussi. Genre je pourrais regarder tout le temps, ça c'est trop bien. La dernière personne que tu as embrassée, bah Alexandre. As-tu fait les scouts? Non. Poserais-tu dénudé pour des magazines? Jamais de la vie. Genre jamais. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Une lettre? Je crois que ça doit être le fin de l'année 2015 peut-être. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Non. Mais je pense que ça doit pas être si difficile que ça. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? Bah non, j'ai pas mon permis. Tomber en panne d'essence de voiture? Bah non plus, parce que j'ai pas de permis. J'étais en train de regarder mon micro, je croyais qu'il était pas déclenché. Bravo. Ton sandwich préféré? J'aime bien dans mon sandwich. En gros, je mets du cheddar. Je mets de la mayo. Mayo cheddar. Et je mets des petites tranches de saucisse et voilà. Oui, c'est n'importe quoi. La meilleure chose au petit déjeuner. Pour moi, c'est du cappuccino. J'adore ça. Voilà. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? En principe, à la base, on va dire que c'est entre 22h et 23h. Mais après, ça dépend. Genre, quand je suis à fond dans un truc, genre, je peux rester jusqu'à 1h du matin. En ce moment, je me couche à 1h du matin. Mais c'est parce que c'est les vacances. Voilà. Es-tu feignante? Oui, je suis très très feignante. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? En sorcière, il me semble. Je me déguisais en sorcière. Quel est ton signe astrologique chinois? Je crois que c'est le cheval. Il me semble que c'est le cheval. Enfin, vous pourrez me dire en commentaire, moi je suis née le 21 mai 1998. Et il me semble que c'est le cheval. Combien de langues peux-tu parler? Bah, le français, l'anglais, l'espagnol. Bah, je pense. Mais parler, mais genre vite fait, hein. vite fait. Après, es-tu abonné à un magazine? Non. Plutôt Lego ou Domino? Je pense Lego, peut-être. Mais jamais joué à l'un des deux, alors. Es-tu têtu? Oui. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Je dirais Jean-Pierre Pernaut. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui, je pense. Oui. As-tu peur du vide? Pas vraiment. Non.
Chantes-tu dans la voiture? Oui. Sous la douche? Oui. Danses-tu dans la voiture? Oui aussi. Utiliser un pistolet? J'ai jamais utilisé de pistolet. Donc peut-être un jour, je ne sais pas. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe? Ça doit être en juillet 2015. Parce que c'était un mariage où j'allais quoi. Aimes-tu des comédies musicales? Oui, ça va. Noël était stressant pour toi? Pas du tout. J'adore Noël. As-tu déjà mangé un pierogi? What the fuck? Je sais pas ce que c'est du tout. Ta tarte aux fruits préférée? J'aime bien la tarte aux fraises. Ah non, non, la tarte aux pommes. Genre, c'est trop bon ça. Je préfère la tarte aux pommes. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais devenir professeur. Je voulais devenir maîtresse. Génial. Crois-tu aux esprits? Oui. As-tu des impressions de déjà-vu? J'en ai tout le temps. Tout le temps, genre tout le temps. Prends-tu des vitamines? Non. Portes-tu des pantoufles? Oui, des pantoufles mignons. Un peignoir? En vrai, j'en ai un. Je sais que je le mets jamais parce que j'aime pas. Que portes-tu pour dormir? Bah, en gros, je fais un mélange. Dans le sens où je prends un short de pyjama et puis je prends un t-shirt que je mets pas beaucoup. Voilà. Ça, c'est mon pyjama. Ton premier album reçu? Je crois que c'était les Pussycat Dolls parce que c'était mon tonton qui m'avait offert ça. Voilà. Carrefour, Delhaize ou Lidl? Carrefour. Nike ou Adidas? Nike. Hamburger ou frites? Hamburger. Champ de tournesol ou de coquelicot? Je dirais tournesol. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Jamais. As-tu déjà pris des cours de danse? Bah oui, j'ai fait de la danse classique. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? En vrai, je sais pas, mais je pense dans la musique ou dans le. Mais en fait, je sais pas. Déjà, en plus, j'ai un copain, mais je sais pas dans. Moi, ouais, un peu dans le truc artistique, un peu, je pense. Je sais pas. J'en sais rien. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non. As-tu déjà gagné une coupe? Non. As-tu déjà pleuré de joie? Je sais pas. Je m'en souviens pas. As-tu un quelconque vinyle? Je ne crois pas. Un tourne-disque non plus. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Je sais pas ce que c'est. Es-tu déjà tombée amoureuse? Ben oui. Qui aimerais-tu voir en concert? J'avais dit qui que je voulais voir en concert? J'aimerais bien voir Stromae en concert. Le dernier album que tu as acheté, j'achète pas d'album. Thé chaud ou thé glacé? Je préfère thé glacé. Thé ou café? Je préfère du café. Avec du sucre ou petit gâteau? Je préfère avec du sucre. Sais-tu bien nager? Ça va. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Non, je suis obligée de me pincer le nez. Es-tu patiente? Ça dépend des choses. Ça dépend. Peux-tu retenir. Non, ça j'ai déjà fait. DJ ou groupe pour un mariage? DJ. As-tu déjà gagné un concours? Oui, quand j'étais petite. En fait, j'avais. Enfin, c'était un concours pour gagner les rebelles. Enfin, genre, non, pas les rebelles. La ferme en folie, je sais pas quoi, là, avec la vache, là. Bah, voilà, j'avais gagné ça. Le jeu. Oh. Eu recours à la chirurgie esthétique? Jamais. Olive verte ou olive noire? Olive verte. Sais-tu coudre ou tricoter? Jamais, non. Meilleure pièce pour une cheminée? Pour moi, ce serait le salon. Veux-tu te marier? Oui. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je ne suis pas mariée. Avais-tu un amoureux en primaire? Je ne pense pas. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Moi, je. Oui, mais je pleure, mais en fait, je le garde pour moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais en gros, je pleure, mais chez moi où il n'y a personne qui m'entend. As-tu des enfants? Non. En veux-tu? Oui, mais plus tard. Quelle est ta couleur préférée? En gros, j'ai pas de couleur préférée, mais j'aime bien le bleu, j'aime bien le rouge, j'aime bien le gris, j'aime bien le rose de ma chaîne, j'aime bien le vert.
J'aime bien le violet. Enfin, j'aime plein de couleurs, en fait. Mais on va dire que c'est le bleu. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite, Alexandre? Regardes-tu Koh-Lanta? Ça dépend, des fois. Des fois, je regarde, des fois, je regarde pas. Voilà. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir été hyper vite, mais un truc de malade. Mais j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. J'espère que ça vous aura plu quand même si voilà, c'est un tag quoi. Peut-être que ça vous intéresse pas trop. Si jamais vous voulez que je fasse certains tags ou que ce genre de truc vidéo IRL, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis merci encore pour les 100 abonnés, je vous aime fort. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, la prochaine fois du coup. Donc d'ici là, prenez soin de vous, bye bye.